L'étape 13 est celle du changement. Incarnée dans une carte anonyme et macabre, je l'ai vécu dans une semaine de mouvement à travers la Bretagne. Je suis pas croyant non plus, tu vois, et je fréquente pas beaucoup de gens d'église. J'ai continué de scruter l'horizon et trouver des signes, même dans des endroits improbables. Alors, FLB, Front de Libération de la Bretagne, on vous prépare de grandes choses. Ta gueule. Je partais de Caen pour la Bretagne, un pays marqué par le mysticisme de la brume, du vent et de l'océan. Je suivais l'intention de l'arcane sans nom, et je découvrais une fois sur place l'importance du mythe de l'Ankou et de sa ressemblance avec la carte du tarot. C'est dans ce terreau propice que j'allais passer la semaine, avec un rappeur qui apparaîtra sur mon projet sous le nom de John Doe. Du coup, on fait quoi? Parce que tu sais que sur le projet, là, tu t'appelles John Doe. Ah ouais? Ouais. Tu fais un photomontage de ça, tu prends la tête de Mac Miller, tu la mets sur ma gueule. Hein. C'est comme si je rappais pas, là, en fait, de ma gueule. Tu sais, c'est quoi l'arcane de la semaine? La faucheuse, tu m'as dit, non? Ouais. C'est pile la carte que je voulais pas avoir. Pourquoi? Parce que c'est la plus badante des cartes. La mort. Non, c'est la vie aussi, hein. RIP Mick Mill. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on monte ce matelas et après on taille chercher gazinière et commode. Vous pourriez vous garer le long là ? Ouais. Entre des trajets à travers la Bretagne pour le taf et des affaires à récupérer, on passait la semaine en mouvement. Je voyais un peu de Saint-Brieuc, Lamballe, Vannes et Lorient notamment. Hasard du moment, une bonne partie du mobilier que John achetait provenait de gens qui venaient de décéder. Sur la carte de l'arcane sans nom, là, la grande faucheuse. Après, il y a tellement de morts ici, mec. Ils sont tous vieux. Ils partent les uns à la suite des autres. Mais la commode, la vieille, elle avait cané. Ma table, je l'ai achetée à une personne morte aussi. C'est suite à un décès, hein. Quel fossoyeur. C'est la lampe de la mamie aussi. Non, c'est la mienne, toi. Il y a eu un moment lunaire. Tous les deux, vous vous êtes pas rendu compte que vous négociez n'importe comment. Toi, tu lui avais dit 80 euros non négociables. Après, elle te dit, c'est quoi votre prix? Tu lui dis, 70. Et elle te dit, 80, vous voulez pas? Et tu lui dis, non. Après, je lui dis, je pars, je veux pour voir si elle me rattrape. Si ouais. Elle me rattrape pas, je fais bon, allez, 70, le petit frère. C'est passé. Je profitais de la semaine pour changer un peu de tête et essayer des nouveaux looks. Même un peu ridicule. Tu fumes cette merde, ce refuge de clandestin, de clando. Ou sinon, je te passe la jaune, moi je mets elle. Je sais pas, on va tester. J'espère que tu bouges pas trop la nuit. Tu pourrais prendre une châtaigne. Et du coup, ça, tu mets un bonnet en mode pour compléter, tu vois. Voilà, tu l'as même mis à l'arrière, ouais. Je t'ai cru que c'était un bonnet de bas ou quoi. Tu sais à quel groupe de merde je nous fais penser, là? Non. Tragédie, mon gars. C'est bien, on dirait on va au ski, en fait. Fisherman, mec, Larry Fisherman. Buck Miller, il est partout. RIP la faucheuse. J'ai trouvé l'église de Lamballe en pleine mutation la semaine où j'enquêtais sur le changement. Le genre de signe que j'explore en ce moment. Imaginons que j'ai perdu un frérot quand j'avais 12 ans. Là, lui est parti, mais je pense qu'il a grandi avec moi, tu vois ce que je veux dire. Et par contre, je pense que penser aux morts, ils le ressentent. En tout cas, c'est ce que j'aime penser. On se construit, mais j'ai les colères de mon père, la douceur de ma mère, le caractère de con de mon grand-père, tu vois. Et au final, c'est des maillons, donc même s'ils partent, ils sont toujours là en nous. Une belle moustache. C'est pour faire plaisir à ma femme, mais ma femme adore une moustache. Jean-Marc était sorti de l'église pile quand je m'arrêtais devant. Une raison suffisante pour que je lui propose de le rencontrer pour discuter. Bon, je vous rappelle bientôt, Jean-Marc. Mais tu le fais à pied, le pèlerinage en Bretagne ou en voiture? J'y vais plutôt en stop. Ah ouais? Ouais. Tu sais, les prêtres, ils ont la petite croix. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai la petite croix. Mais t'as un dé dedans? Voilà, okay. Parce que je suis diacre. Un diacre, c'est un homme de civil qui va vers la périphérie. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a vu en échange de trois mots. Ouais.
une fête échangée, bah, tu vois, on se retrouve là. Je peux célébrer des mariages, des obsèques, des baptêmes. Et tu vois, quand tu m'as dit ton programme hier et tu m'as dit bah, je commence par des obsèques, et je finis par un mariage, tu vois. Ouais. Je me suis dit c'est marrant parce que ça parle de voilà, tout le panel. Je finis par toi. Ouais, tu finis par moi. Mais par la synthèse. J'essaie de faire avancer mon projet musical, j'essaie de rencontrer des gens et notamment plein de nouvelles personnes. Et j'ai aussi beaucoup fait un process de retourner vers des gens avec qui j'avais eu des froids ou des divisions, quoi. Tu vas pour l'église, tu n'es pas spécialement croyant. Mais c'est quelque part aller retourner vers ses frères pour demander pardon. Ouais. Ou recevoir un pardon. Ouais, ouais. On est où, là? Nous, on est à Saint-Quay. C'est Mafort, le portrieux. Mec, t'étais à Walp, mec, c'était même pas une plage nudiste. Le mec, il marchait tranquillement, comme ça, il tournait en rond sur la plage. Maman, pourquoi le mec chelou, il est à poil? Alors qu'il caille sa race. Et c'est bizarre que personne ne le fasse, alors que c'est prouvé que c'est ultra bon pour le corps. Aller dans l'eau glacée, sans aucune raison, perdre le contrôle de son corps, souffrir sur le moment, mais kiffer après, bah, c'est une expérience que tout le monde devrait vivre. Je pense que les gens n'écoutent pas leurs sensations, globalement. Ouais. On est dans un monde de fermeture des sens. Là, il y a un truc qui est stylé aussi que je trouve quand tu vas dans la mer. T'aurais été dans l'état naturel le plus total, tu vois. Ouais. Du coup, tu rigoles comme un porc parce que tu te sens vivre, tu sais, dans l'eau. Tu mets 15 personnes dans l'eau, tu sais, et tu mets un mec qui fait du stand-up. Ça me fait penser à l'endroit où ils se battent dans Le Seigneur des Anneaux contre tous les Uruk-hai à la fin du premier. La carte du tarot, là, je te la remontrerai. Oui. Mais dessus, c'est pas vraiment un squelette. Ouais. C'est un être goût décharné et tout. Ouais. C'est un peu ce que tu ressens quand tu vas dans l'eau glaciale. Grave. Grave. Tu te débarrasses de toutes les couches superficielles de ton existence. Tous tes problèmes, tout. Tu ressors comme un nouveau-né. La mort peut survenir à chaque instant. La frôler ou la côtoyer nous éveille sur sa présence et l'importance de chérir le présent. Tout change, et la fin d'une chose est le début d'une autre. En errant à l'Orient, et en suivant le son des sirènes, j'étais tombé sur un cimetière. De quoi alimenter ma réflexion sur un lien avec l'au-delà. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu faisais ce matin pour préparer des obsèques? J'en préviens, il y a un mort. Je prends contact avec la famille, ouais. Et les pompes funèbres d'ailleurs. Ouais. Donc comme c'est une cérémonie religieuse, on parle d'espérance. Bah, j'essaie de comprendre justement comment on peut aborder le monde différemment. Tu vois. Moi, je suis pas sûr de m'aligner avec des définitions monothéistes, c'est une subtilité qui est pas si grave, tu vois. Mais par contre, je me rends compte que plus ça va, plus j'ai l'impression de voir une sorte d'ordonnancement, tu vois. Bon, il y a quand même pas mal de tombes. Et au pif, je tombe à la pif. Odour, c'est moi. Et l'opogame, c'était le nom de mon médecin traitant. Ou de mon pédiatre, je sais plus. Je te suis. T'as quelque chose à me montrer ou quoi? J'ai suivi le corbeau. Il était posé là. Après, il s'est barré dans l'arbre là-bas. J'ai dit bon, j'arrête. C'est précisément cette émotion intense qui me fait avancer. Changer pour l'hybride rechargeable avec contre-informé top à partir de 349 euros par mois. Bon. On se connaît pas. Mais j'espère que ça va bien. Que. Bon, ceux qui restent vont bien. Je les connais pas. Enfin, je savais pas que j'avais de la famille en Bretagne. Il y a des vaudours, quoi. Donc, bon, un jour, on se penchera peut-être sur le sujet. En attendant, bise. L'image la plus macabre du tarot est celle qui parle le plus de changement. Car la vie et la mort ne font qu'un. La grande faucheuse rappelle l'élan des marins ou des explorateurs et tous ceux ou celles qui avancent. Que l'horizon soit clair, complètement incertain. Les gars, là, ça glisse. C'est quoi la mort? Un renouveau, une renaissance, l'espoir des uns et le désespoir des autres. Allez, viens, passez la route! À part ça, on a taffé. On a clippé R2D2, un des bangers de l'album, qu'on vous laisse le soin de découvrir après ce vlog.